avancées pour cette série. Elitmen, la première, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti qui sera au couloir numéro 5. Voilà, on est sur la ligne de départ pour cette première série des hommes en V6 500 mètres. Le drapeau rouge, André, et on te donne départ dans un petit instant. Attention au couloir numéro 3 qui dépasse de quelques centimètres. Il faudra surveiller les Tahitiens au couloir numéro 5, les Australiens au couloir numéro 2 et les Calédoniens au 4. C'est parti, André, pour cette course. Waouh, quel départ magnifique! On va demander à notre bateau de le suivre. Donc, j'ai reconnu Kevin Serran, Jérusalem. Il me semble que c'est le couloir numéro 4 de la Nouvelle-Calédonie qui est au coude à coude avec Tahiti. Tahiti contre Nouvelle-Calédonie actuellement pour ce départ fulgurant au niveau donc, de cette série qualificative avec Kevin, avec Hiromana Flores, on les reconnaît avec leur coup de rame toujours ce duel entre le couloir numéro 4 et le couloir numéro 5 alors que les autres pays sont plus vers l'arrière. Donc coude à coude toujours neck to neck comme on dit entre ces deux équipages. On va dire que Tahiti est au coude à coude avec la Nouvelle-Calédonie et commence à lancer son turbo. Olivier, à vous. Avec le couloir 4 et 5, c'est la Calédonie et Tahiti qui sont pour l'instant dans cette série au coude à coude. Ils passent aux 250 mètres. Rien n'est fait, Davidson. Et ils ont largement décroché l'Australie, la Grande-Bretagne et également le Canada. Oui, Tahiti qui est une toute petite longueur d'avance hein, sur leurs amis, leurs cousins calédoniens, avec à la barre notre ami Mignon, Manoutea Mignon, hein, qui barre donc cette pirogue de main de maître. Là, ils viennent de mettre un petit coup de turbo à petite accélération. On est tous dans le Houtipari, comme on appelle ça, et ils s'approchent dangereusement de la ligne d'arrivée. Allez, 100 mètres quasiment. Une cinquantaine de mètres maintenant, une cinquantaine de mètres. Et Tahiti a pris quelques longueurs d'avance pour cette série. Alors, ce n'est que la série, mais ça va donner le ton pour le reste. L'équipe de Tahiti va s'imposer devant la Calédonie avec ce dernier coup d'accélérateur dans les derniers décamètres. Et voilà, Tahiti s'impose d'un vara d'avance dans cette série face à la Calédonie. Belle course des Tahitiens avec les grands champions que l'on connaît. Oui, Kevin Serran, les amis, vous pouvez le voir au poste 3. Un moteur ici, capitaine de cette équipe, de cette sélection de Tahiti. On a notre barreur, Manoutea Mignon, juste et Hiromana Flores, me semble-t-il, au poste de Fahoro. Une grosse, grosse équipe ici du côté de Tahoné qui vient de remporter donc cette série V6 500 mètres chez les élites. Grosse, grosse course, belle accélération hein, au final sur les derniers mètres. 1 minute 48 secondes et 33 centièmes pour Tahiti dans cette course. On descend en dessous des 1 minute 50. Ça se rapproche dangereusement des records que l'on peut trouver dans ces courses de V6. Voilà, vous le voyez, le podium pour l'instant de cette première série avec Tahiti qui s'impose devant la Calédonie et l'Australie. We'll be right back.